Bonjour. Ça te plaît? Ça me battu depuis. C'est quoi un bâton de pluie? T'auras besoin. Des choses simples, très très simples. Soit des rouleaux de papier toilette, ou un rouleau comme ça, si tu trouves à la maison. Ok. Un petit peu de riz, ou de lentilles, du scotch, des ciseaux, de la colle, des morceaux de papier de couleur, ou le papier découpage. Papier d'emballage cadeau et des feutres, des crayons, voilà, pour ta décoration. On y va? Bon, alors pour créer ton bâton de pluie, il te faut plusieurs rouleaux de papier toilette. Pour cette taille-là, il te faut 6 rouleaux en total. Parce qu'on va créer un labyrinthe à l'intérieur de ce bâton, un labyrinthe avec des papiers, avec des rouleaux. Alors ce que tu vas faire, tu vas découper le rouleau, le créer en pliant un petit labyrinthe un petit circuit pour le riz qu'on va l'insérer comme ça à l'intérieur. Voilà, pareil ici. Faire une fois là, un de l'autre côté, voilà, un de l'autre côté, voilà. 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 Une fois que tu as ça, on va les coller tous ensemble. Un petit peu, tu vas bien serrer et tourner. Si tu as un scotch un petit peu plus large, tu peux utiliser ce scotch là. Tu peux demander tes parents pour t'aider un petit peu. Voilà, pour ne pas perdre le bout, tu fais comme ça. Hein. Et là maintenant, il va falloir créer une fermeture. Alors, pour faire une fermeture, on va découper un morceau de papier, un morceau de papier d'emballage. Tu peux faire aussi comme ça, tout simplement. Voilà.
de nouveau, c'est un scotch un petit peu plus large. Ah, tu utilises, d'accord. Voilà, on va remplir notre tube avec du riz. Voilà, alors tu vas remplir le tube. Voilà. Et de nouveau, là-haut, tu vas enfermer. Oups. Tu attaches, tu colles bien. Et maintenant, tu vas passer à la décoration. Bon, tu peux coller papier soin. Appliquer de la colle. Et coller. Tu peux aussi utiliser la colle vinylique, la colle blanche. Voilà. Tu peux faire des petits dessins. Tu peux le peindre aussi. Hein. Je te mets quelques images à la fin de la vidéo pour te donner des idées. On peut utiliser, comme je t'ai dit, la colle vinylique blanche. Liquide. C'est la colle liquide que tu peux appliquer et coller des feuilles de papier. Elle est très épaisse, bon, tu peux la diluer un petit peu. Voilà. Ce qui est bien, c'est que avec cette colle là, on peut coller des morceaux de papier journal, par exemple, ça tient mieux. Utiliser aussi les papiers de les serviettes imprimées, le papier découpage que moi j'ai pas là actuellement. Qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre? Tu peux dessiner, tu peux découper tes dessins et de les coller, et tu peux peindre. Voilà, t'as plein de possibilités. Voilà, tu laisses sécher, et puis après tu fais ta décoration. Tu peux appliquer des ficelles, des plumes. Des petites choses intéressantes. Voilà. Bon courage. Et puis à bientôt.